Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on se retrouve pour un big haul d'hiver. Je crois que c'est mon meilleur haul d'hiver parce que quand je vous dis j'ai trouvé des pépites, mais des pépites, vous n'êtes pas prêtes. Franchement, je vous dis la vérité, vous n'êtes pas prêtes. Et j'ai vu des trucs, les filles, non. Enfin bref, je vais pas m'éterniser, je vais seulement vous montrer. Petite intro comme d'hab, les collaborations, je suis en collaboration avec eux sur le long terme, donc les vêtements m'ont été envoyés. Je vous mettrai le lien des vêtements, code promo ici, tout sera mentionné dans la barre d'infos. Et puis on va commencer sans plus tarder puisque là c'est chaud. Alors les filles, on commence avec un petit ensemble gris, un gris beige très doux, très doux. La matière hyper agréable, rien à dire, ce n'est pas du tout cheap. Je fais 1m67. Et je fais 67 kg. Les filles, le pantalon m'arrive parfaitement bien à la cheville. Comme d'habitude, vous aurez des vidéos en entière de moi sur le côté. Parce que, en fait, je suis trop restreinte par rapport à mon espace. Donc, je peux pas vous filmer des vidéos en entière, ça me saoule. Enfin bref, les filles, l'ensemble, je l'aime trop. Vous avez plusieurs couleurs. C'est sûr que je vais prendre d'autres couleurs parce que il est incroyable. Pour la matière, j'aime tout. Il m'arrive parfaitement bien à la cheville. Par contre, pour les filles qui font, à mon avis, 3-4 cm de plus, Thomas, c'est cuit. C'est vraiment cuit, ça va être sauté. Parce que c'est la gamme Daisy. La gamme Daisy de chez Shein, on dirait c'est pour les petites et pour les personnes qui sont fines. Dites-vous, là, je porte une taille XL. Parce que ça taille très petit. Donc j'ai pris la plus grande taille et ça me va parfaitement. En tout cas, les filles 10 sur 10. J'ai pris vraiment beaucoup de fourrure. Donc pour les personnes qui aiment les fourrures, vous êtes servis. Cette fourrure-là, les filles, j'ai pas fait de outfit. Mais dites-vous juste que j'ai pris la fourrure. Mais ça va pas avec le gilet. En tout cas, dans ma tête, je me suis pas dit que j'ai pris ça pour aller avec le gilet. Enfin, avec l'ensemble. C'est trop beau. J'aime trop. Alors, les filles, voilà la fourrure. Je ne regrette pas de l'avoir prise. J'étais très mitigée. Mais elle est trop belle. Regardez. Elle est un peu longue. Enfin, elle est mi-longue. Elle est magnifique. Par contre, à mon avis, ça tient pas chaud. Enfin, là, je sens que j'ai une couche en plus. Mais c'est pas un truc de ouf. Mais elle est incroyable. Incroyable. Oh, les filles! Par la grâce de Dieu, j'espère que j'ai vraiment réussi cette sélection. Mais si tout se passe comme dans ma tête, les filles, je vous ai dit, vous n'êtes pas prêtes. Les filles, dans ce haul, j'ai pas mis de gain. J'ai rien mis, pas de shorty, pas de gain, rien. C'est pour ça que si j'ai un bide, c'est normal. Voilà. Les filles, j'ai fait une tenue. Je suis déçue à cause du pantalon, mais il est incroyablement beau. Bref, attendez, je vous explique la tenue. Alors, déjà pour commencer, j'ai pris un body. Désolée, on voit mon soutien en dessous. J'ai un soutien marron et les filles, il ne se voit pas à travers. En tout cas là je vois rien dans le miroir. Enfin je vois que j'ai un soutien. Mais on voit pas la couleur. Donc ça c'est bien. Le body les filles il est incroyable. J'ai pris une taille M. Exprès de prendre une taille M. Parce que moi je déteste être serrée dans mes vêtements. C'est ma phobie. Avec ça j'ai mis un petit pantalon. Et je sais pas si vous allez voir. Normalement vous allez voir les petits détails. Ici il est plus foncé. Et là bah, il est beige. Mais les filles quand je vous dis le pantalon il est sauté. Après je crois que c'est comme ça qu'il est. Parce que son mannequin aussi il était sauté. Moi je porte pas de pantalon sauté, mannequin ou pas, mode ou pas, trend ou pas, je ne porte pas de pantalon sauté. Incroyablement beau. Hein. Donc pour les filles qui sont petites de taille, foncez. Et de mettre ça avec une fourrure, regardez la fourrure comment elle est belle. Vous avez deux tons, vous avez du beige et un peu de marron. Je sais pas si vous voyez à la caméra parce que moi je vois rien. Donc voilà les filles, j'ai fait une petite tenue soft, un peu comme ça, vous voyez que vous avez froid. Vous êtes habillée en white. Non, je suis désolée, ça donne un style trop classe. Ça va être trop chic. Non, franchement, les filles, je valide. Il y a juste le pantalon là qui me dessèche, donc je mets une note de 9 sur 10. Mais sinon, je valide. Alors les filles, j'ai pas pris beaucoup de haut. J'en ai pris qu'un, je crois. Donc vous allez pas me voir avec un haut différent à chaque fois. Donc là, j'ai pris un pantalon. Et les filles, il taille parfaitement bien. Moi, je suis entre le 38 et le 40. Et du coup, là, j'ai pris une taille 29. Ça me va parfaitement bien, je suis à l'aise. Vous voyez, j'ai une marge au cas où je mange. C'est parfait. Il m'arrive parfaitement bien à la cheville. Il traîne un peu même. Donc franchement, pour les filles qui sont un peu plus grandes que moi aussi, ça passe. Pantalon marron, gris. Il est un peu délavé, mais il tire plus vers le marron. Je l'aime trop. Je l'aime trop et j'ai décidé de mettre ça aussi avec une fourrure. De toute façon, vous allez voir, il n'y a presque que des fourrures. J'ai pris une fourrure dans la gamme du coup plus size. Donc elle est en 1XL. Voilà, j'ai fait exprès parce que je voulais qu'elle soit bien grosse, bien grande. La qualité, elle est incroyable. Elle est hyper douce. Le seul truc qui me dérange, c'est que le col, il soit comme ça. Moi, j'aime pas les fourrures avec un col vide. Mais bon, en soi, ça fait quand même l'affaire.
Elle est trop jolie. Mais vraiment trop jolie. Et la qualité, elle est ouf. Ma soeur, elle a essayé, elle a trop aimé aussi. Avec la tenue, ça fait comme ça. Franchement, j'aime bien. Mais le seul truc qui me dérange, comme vous l'ai dit, c'est mon col. Je trouve que c'est vide. C'est grave vide. Après, si je m'en collais, ça passe. Mais voilà, j'aurais aimé quand même qu'il y ait un petit col en fait. Mais sinon, j'aime trop. J'aime trop. Les tons, ça suit avec le jean. J'ai fait exprès de toute façon. Mon haul, quand je vous dis, il va être chaud, à chaud. Il va vraiment être chaud, à chaud. Alors ensuite, les filles, j'ai pris un pantalon baggy chez les hommes. Il est incroyablement beau et confortable. Par contre, le seul truc qui me dérange, et je pensais pas qu'il allait être autant comme ça, c'est qu'il est trop déchiré. Moi, de base, je porte pas de jeans déchirés depuis bien longtemps. Enfin, depuis le lycée, Didou, j'avais arrêté de porter des jeans déchirés. Enfin, j'aime pas quand on voit la peau en dessous. Si c'est une déchirure, vous voyez, comme ça et tout, ça va. Et encore, j'en porte pas trop. Mais quand on voit la peau en dessous, j'aime pas. Après, si je mets un legging en dessous, ça passe. J'aime quand même beaucoup pour les prix parce qu'il avait un petit effet délavé beige. Ça allait bien avec le haut que j'allais prendre. Une fourrure. Mais sur une fourrure en taille L. Et de toute façon, je sais pas pourquoi je dis la taille alors que j'ai pris une taille L partout. Voilà la fourrure. Vous voyez, là, il y a un col. Je me sens bien quand il y a un col. Et puis, c'est mieux pour l'hiver. En Chine, l'année dernière, j'avais pris des fourrures. Ce n'était pas ça. Ce n'était pas comme là. Là, ils ont glow up au niveau de la qualité. C'est une dinguerie. Non, mais elle est trop belle. Elle est trop belle. Elle est hyper douce en plus. J'aime trop. Elle est bien fournie. Vous voyez, c'est pas les fourrures timides là. Donc avec le jean, je trouve que ça fait un style. Ça fait un petit... Moi, je suis contente. Vous voyez la satisfaction quand, dans ta tête, quand t'as fait une tenue et la tenue, elle rend comme tu voulais, voire mieux. Je suis désolée, là, j'ai une attitude. Rien qu'à la contre moi, j'ai une attitude. Cookie Lion, écartez-vous. J'ai gardé deux fourrures pour la fin. Mais sinon, là, j'ai plus de fourrure. J'ai tout ça. Alors là, les filles, c'est pour quand il fait encore pas trop froid. J'ai vu des hauts sur Shein. Vous savez, en gros, vous avez de la laine à l'intérieur. De base, je voulais prendre ça. Alors, j'ai fait une petite tenue. Voilà. Bon, j'ai le même haut depuis 100 ans. Donc, j'ai pris une petite veste. Comme ça, j'ai pris une taille L. Donc, elle est bien longue, bien oversize. Très jolie. Si vous vous rappelez bien, si vous avez l'habitude de regarder mes hauls, depuis un moment, je vous dis, je suis grave dans le rouge. Du coup, j'ai pris un petit jean chez les hommes. Il tombe bien. Il est un peu baggy, par contre. Donc, il n'est pas très taille haute. Tombe parfaitement à ma cheville. Pour les filles qui sont plus grandes, ça va être cuit, ça va être sauté. Sauf si vous faites 1m68-69, c'est bon. Au-dessus, c'est cuit. Je trouve ça super sympathique, cette tenue. For my type, vous n'allez pas voir tout le monde habillé comme ça. De toute façon, dans mon haul, les filles, la plupart des vêtements, vous n'allez pas voir tout le monde avec ça. C'est vraiment ça qu'on aime. Mais vous n'êtes pas prêtes parce que j'ai pris des trucs qui sont un peu tirés par les cheveux. Mais... Ensuite, les filles, j'ai fait une petite tenue. Donc, j'ai pris un manteau ou bombers façon... Avec deux textures différentes. J'avais même pas remarqué sur le site qu'il y avait deux textures différentes. Mais là, c'est du cuir, enfin du simili. Et là, vous avez du daim. Purée, j'avais même pas remarqué. Je viens de remarquer ça dans le miroir là. J'ai décidé de mettre ça avec un pantalon un peu atypique. Taillé une dye orange, marron, bleu, tu sais pas trop. Bref, il y a 10 000 couleurs sur le pantalon. Le seul truc, les filles, que je regrette, c'est que j'ai pris la veste en taille L. J'aurais dû prendre la veste en taille M pour qu'elle soit un peu plus crop. Je pense que ça aurait. Mieux fait. Donc, en vrai, si je mets un pull en dessous, c'est mieux que je prenne du L. J'aurais préféré qu'il soit un peu plus courte. Mais bon, c'est pas grave, ça fait quand même beau, je trouve. Le jean, j'ai pris une taille L. Les filles, il taille parfaitement. Bien à l'aise dedans, c'est extensible, il y a encore de la place. Si tu grossis, si tu maigris, c'est un peu chaud. Mais un beau pump. Vous n'allez pas voir tout le monde avec, encore une fois. Non, les filles, je suis désolée, cette sélection, elle est énervée. Alors là, du coup, les filles, on est sur un pantalon très atypique. C'est le pantalon le plus atypique que j'ai pris, c'est-à-dire que c'est très médiéval. Voilà, vous avez des têtes, des personnages en bas. On dirait les trucs des livres d'histoire en fait. Mais j'aime trop. Ça a son petit flow, ça a son petit style. Hein ? Moi j'aime trop. Franchement j'aime trop. J'avais trop hâte de le recevoir. J'ai pris une taille 40, donc une taille 30. Et d'accessoiriser cette tenue. Alors les filles, avec un manteau que j'ai cherché partout. Sur tous les sites, mais quand je vous dis tous les sites, c'est tous les sites confondus internet, je ne l'ai trouvé nulle part. Et un jour je me baladais comme ça sur Shein et je vois le manteau est là. Quand je vous dis j'ai sauté dessus. Ces filles, il taille archi grand, tellement j'étais pressée de le recevoir. J'ai essayé directement quand je l'ai reçu. Les filles, il taille tellement grand, j'ai pris une taille L. Vous allez voir, attendez. Et les épaules, comment elles tombent trop bas. Pff,
Purée, il m'aurait fallu du M, mais je savais pas. Ah oui, vous avez une ceinture, je l'avais mis dans ma poche. Personnellement, je vais pas mettre de ceinture, donc on va laisser ça dans la poche. En fait, vous voyez, j'aurais aimé que le col il soit comme ça. Et par contre, il fait grave du bruit. Hein. Sinon, les filles, il est trop beau. Voilà, avec la tenue, ça fait ça. Et j'ai pris des chaussures aussi pour aller avec. Et cette tenue, quand je vais la caler. Ah. Non, les filles, c'est trop beau. Et c'est trop beau. C'est trop beau. C'est trop beau. J'aime trop. Regardez, avec le noir en dessous là. Ah non, j'aime trop. Moi, je vous ai dit, je suis dans le rouge. Je suis dans le rouge, je suis dans le bordeaux. Je vais en découdre. Voilà, je vais en découdre. Les filles, avec ce manteau, j'ai pris cette paire. Vous allez me dire, c'est quoi ça? C'est des espèces de mules en fourrure. De toute façon, vous mettez n'importe quelle paire noire en soi, c'est matché. Voilà. Mais la tenue, et c'est un 10, c'est ma tenue préférée depuis le début. Parce que, en fait, là, j'aime tout. J'aime tout. C'est atypique. Qui a un pantalon? Qui a un pantalon avec des hommes dessus? Qui a ça? Qui a ça, en fait? Dites-moi qui. Purée. Non, les filles, j'aime trop. Voilà, les filles, vous êtes pas prêtes. Ça sort un peu de ce que je fais d'habitude. J'ai fait une tenue full cuir. Il y en a une deuxième full cuir après. J'ai pris un trench bordeaux. Et je vous ai dit, le rouge. Le bordeaux, là. J'ai un problème. Mais regardez-moi cette tenue, en fait. Regardez-moi cette tenue. Par contre, je n'imaginais pas que ça allait être comme ça. En gros, là, si vous voulez, mon sac, il est de la même couleur que le pantalon. Donc déjà, tant mieux. Et le trench, il est un peu plus rouge. Alors que ça, c'est un peu plus violet. Vous voyez, de toute façon, vous allez le voir à la caméra. Parce que moi je le vois déjà de loin. Enfin bref, les détails. Le trench, j'ai pris une taille L. Le pantalon, j'ai pris une taille L. Prenez bien 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 votre taille. Ne vous dites pas sa taille grande. Parce que les filles, quand je vous dis mes cuisses, je vais pas exploser le pantalon, mais ah, quand même. Voilà, par contre les filles, si vous portez ça en hiver, faut mettre un pull en dessous. Parce que quand je vous dis, le trench il est fin. Même le pantalon il est plus épais, pour vous dire. Mais sinon, la tenue c'est un 10 sur 10. Bref. Alors là les filles, j'ai pris un pantalon en cuir en taille L. Il tombe parfaitement. Enfin, non, il tombe pas parfaitement. Il tombe bien. Il tombe bien. Parce que moi, j'aime bien quand ça traîne un peu. Là, ça traîne pas. Genre, pour les filles plus grandes que moi, c'est cuit. Et qui ont quelques centimètres de moins que moi, c'est parfait. Vraiment, vraiment parfait. J'ai pris une veste qui va avec toujours de la gamme Daisy. Et j'ai pris une taille XL. Voilà la veste. J'aime trop. J'aime trop. Je voulais la prendre dans mon ancien haul. Sauf qu'elle était en rupture de stock. Là, ils l'ont remis en stock. Les filles, elle est incroyable. Elle est vraiment incroyable. Quand même, elle est assez calée, je trouve. Elle n'est pas épaisse de ouf, mais c'est une veste en cuir. En fait, c'est une veste en cuir. Elle fait pas cheap. Mais elle est vraiment très, 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 très jolie. Genre, vraiment, 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 je pèse mes mots. J'aime trop. Rien que la tenue aussi, j'aime trop. C'est un 10 sur 10 direct. Les filles, je crois que c'est ma deuxième tenue préférée. Je kiffe. Là, les filles, j'ai fait une petite tenue avec une doudoune. Voilà, pour cet hiver. Rouge, toujours, pour pas changer. Avec un pantalon militaire. Les filles, le pantalon, j'ai pris chez les hommes. J'ai pris une taille L. Il est bad large, il est super beau. Par contre, ça me fait un taille basse. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Moi, je suis quelqu'un qui met des tailles hautes en fait. Donc, voilà, pour les filles qui mettent des tailles basses, c'est bien. La qualité du pantalon, elle est incroyable. Même la qualité de la doudoune, elle est incroyable parce qu'elle est bien épaisse. Ce genre de veste, je peux facile faire l'hiver avec. Vraiment, 10 sur 10. J'aime trop au niveau de la qualité, au niveau de l'assemblage, au niveau de la couleur. L'idée, je voyais ça comme ça dans ma tête. Les filles, toujours chez les hommes, j'ai pris ce pantalon là. Donc c'est un pantalon, il est hyper lourd. Tu sens que c'est de la qualité, vraiment, vraiment. Il est incroyable. C'est un pantalon que j'ai pris aussi en taille L. Celui-ci, il taille parfaitement parce qu'il y a un élastique. Donc ça, c'est vraiment bien. Il est hyper long par contre. Donc pour les filles grandes en taille, c'est bien. Moi, il traîne, mais genre vraiment, vraiment, vraiment traîné. Rien à dire, le pantalon, c'est un 10 sur 10. J'ai pris une petite veste pour aller avec. J'ai pris une taille L. Alors du coup, c'est une veste comme ça, bleue. Je pensais qu'elle allait être longue, mais elle est courte. Si j'avais, j'aurais pris une taille M. Et j'ai pris un petit sac bleu marine pour aller avec, pour rappeler le pantalon. Donc voilà, c'était une tenue full bleu. Je sais pas ce que vous en pensez, j'aime bien. Attachée, elle fait comme ça. J'aime bien aussi, dites-vous juste qu'elle est courte. Parce que quand vous la regardez sur le mannequin, on dirait pas qu'elle est courte. Je pensais qu'elle était longue, mais en soi, j'aime trop. Hein. J'aime trop. En plus, moi, je suis un peu dans le bleu. Et moi, je suis dans toutes les couleurs, c'est trop grave. Mais je trouve que ça pète. J'aime vraiment beaucoup, 10 sur 10. Les filles, on est sur un sans faute. En vrai, on est sur un sans faute. Les filles, j'aime trop cette tenue. C'est une tenue très cocooning. J'ai pris ce pull chez les hommes en taille M. La qualité, c'est du coton. Donc, comment vous dire qu'il est épais. Il est magnifique. De toute façon, je l'avais pris dans un de mes anciens hauls. Pas le dernier, je crois encore celui d'avant en marron. Les filles, il est incroyable.
résultat, j'ai mis un jogging que j'ai pris dans la gamme tall chez les femmes et j'ai pris une taille L. Les filles, il est hyper grand. De toute façon, vous allez le voir sur le close-up. Jusqu'à je peux rentrer mes pieds dedans, tellement il est grand. Donc pour les filles qui sont grandes en taille, c'est parfait, 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 parfait. Pour les filles qui font ma taille, on va devoir faire des ourlets et les petites ou gays. Vraiment les filles, incroyable. Et vraiment une tenue en mode chill. Chill, mais t'es quand même bien habillée. Alors les filles, j'ai pris cette fourrure là, elle existe aussi en noir. Elle est incroyable, mais incroyable quand j'ai essayé directement. J'ai pris du L. Les filles, je me recule pour que vous puissiez voir la fourrure en entière. Donc elle est mi-longue, elle m'arrive au genou. Elle est hyper jolie, elle est super grosse et super douce. Moi j'aime trop les grosses fourrures, hein. J'aime pas les fourrures timides, je vous ai dit. Je suis désolée, elle est vraiment trop trop belle. Après je la mettrai pas avec cette tenue là, je la mettrai plus avec un ensemble beige à mon avis, ou marron. Mais non, incroyable, incroyable, incroyable la fourrure, je l'aime trop. Franchement prenez-la. Prenez-la, 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 prenez-la. Pour terminer, j'ai pris cette combinaison-là de chez Glow Mode. Je la mettrai avec une gaine. Les filles, j'ai galéré pour l'enfiler. J'ai pris une taille M. Je savais, j'aurais dû prendre une taille L parce que, en fait, je suis entre deux tailles. Mais, ah, je me suis dit, j'allais perdre encore un peu de poids. Elle est hyper confortable. De toute façon, vous savez déjà, si vous avez l'habitude de regarder mes hauls, la gamme Glow Mode, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, la qualité. J'ai pris une petite combinaison. Très sympathique noir. Au niveau du bas, vous allez le voir sur le close-up, vous avez des petites fentes. J'ai décidé d'accorder cette tenue là avec une dernière fourrure et c'est ma dernière tenue dans tous les cas. Donc voilà, let's go, c'est ma fourrure la plus risquée. Les filles, j'ai dit j'aimais le rouge. Je vous ai dit, je savais pas doser. Fourrure rouge sur nous maintenant. La fourrure, les filles, elle est comme ça. Je la trouve hyper belle. Je la trouve juste un peu lâche par rapport aux autres. Je sais pas si vous allez voir. Mais genre elle vole un peu. Après au-delà de ça elle est vraiment très très jolie. Le seul truc qui me dérange c'est qu'il n'y a pas de poche. Quand on porte un manteau en hiver et il n'y a pas de poche, c'est à nos risques et périls. Parce que nos mains là on les met où? Pour les personnes qui n'ont pas de gants. Moi je suis pas quelqu'un qui met des gants. Bref c'est pas grave, on peut pas tout avoir. Allez, 10 sur 10 les filles. Donc voilà les filles, mon haul est terminé maintenant. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas moi il m'a grave 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 plu. C'est mon haul préféré de ma chaîne je crois pour cette année 2023. Touche bientôt à sa fin, c'est un truc de ouf. C'est vraiment trop vite. Je venais de débuter, j'ai terminé de vous montrer mes pépites. J'espère vraiment, 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 vraiment que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires ou même me mentionner sur Instagram. Je réponds. En général, je réponds tout le temps sur Insta. Même sur TikTok, je vois quand vous me mentionnez, j'aime, je commente et toujours republie. Ça me fait trop plaisir. Voilà, bref, voilà les filles, je pense avoir assez parlé et avoir tout dit. Vous pouvez retrouver du coup mon code promo et les liens des vêtements dans la barre d'infos. Et voilà les filles, voilà c'est tout pour nous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Prenez soin de vous comme d'habitude. Besos.